Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Papillon. Après le citron le mois dernier, nous allons vous proposer cette fois-ci de partir à la rencontre d'un des insectes les plus remarquables du parc naturel régional de Brière, le morio. Ce papillon est très facile à reconnaître, de grande taille, vous le remarquerez aisément avec ses ailes brunes bordées d'un très large liseré crème et de petites lunules bleutées. Il est aussi facile à trouver qu'à reconnaître puisqu'il adore se poser en plein milieu des chemins pour prendre des bains de soleil. La chenille de ce papillon est noire avec des taches rouges sur le dos, elle consomme des feuilles de saule et on peut l'observer à la fin du printemps. Mais pour trouver les adultes, on a deux chances dans l'année. Soit on peut les observer fraîchement nés en juillet et août, soit on peut les retrouver après ce qu'on appelle leur diapause, une sorte d'hibernation, de la mi-mars à la mi-mai. C'est d'ailleurs à cette période qu'on les observe le plus facilement, car la végétation est à ce moment-là un petit peu moins luxuriante, et c'est le moment aussi des virevoltes amoureuses pour nos morios. Si vous avez vu un morio ou si vous avez envie vous aussi de partir à sa recherche, aidez-nous à mieux connaître sa répartition précise en communiquant avec nous soit via l'adresse abc@parc-naturel-brière.fr, soit en rejoignant le groupe Facebook Tous aux papillons en Brière. On compte sur vous, merci d'avance et à très bientôt.